tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, un sacré coup de collier aujourd'hui. Hein. Ouh. Il nous manque juste à ranger le tissu et les machines à coudre. Oui, parce que j'en ai plusieurs. Non, mais ça, c'est. Il y en a qui ne marchent pas. Il y en a une qui ne fonctionne plus. D'ailleurs, faudra penser à la mettre à la déchetterie parce que. Ça sert à rien. Ou alors que ma mère la récupère, je sais pas. Donc il nous reste ça, un coin à ranger. La table est disposée comme je le voulais. Il me manque un fauteuil. La nappe noire est installée. Il manque une nappe transparente pour que ce soit plus pratique hein, à laver tout ça avec les poussières d'ongles etc hein. Oui parce que c'est quand même plus facile de passer un coup de lavette sur un truc en plastique que sur une toile en tissu. Oui c'est logique. Et puis après, on a fini. J'aurais plus qu'à installer. Ben là, je peux commencer à installer un petit peu. Mais alors, j'ai les mains qui pétillent, les pieds qui cuisent et les reins qui veulent plus. Alors comme ça, c'est pas aujourd'hui. Non, non. J'aurais besoin, mais alors là. Faut que mes médicaments fassent effet là. J'aurais besoin. J'ai l'ongle qui raccroche. Oui, ça raccroche. Ouais, il faut que je m'en occupe là. Donc je vais me mettre un dessous de main. J'en ai bien plein en papier. Toutes les couleurs. Du jaune, du rouge, du bleu, du vert. Des dessous de main en papier. Et ben, je vais vous dire un truc, je m'en suis déjà servi pour le nail art, justement. C'est bien pratique. Donc, je vais m'installer ce qu'il me faut pour faire mon ongle. Parce que là, je supporte pas, moi, me raccrocher les ongles. C'est un truc qui me fait mal aux dents. Rien que d'en parler, j'ai mal aux dents. Ouais. Eh ben, en tout cas, chapeau, mon fils, il a bien bossé, hein. Parce que j'ai dû faire des pauses régulièrement. Il est venu de 11h30 midi à la 3h. Il est 3h15. Donc moi, j'ai pris mes médicaments à moins le quart. Donc ça devrait pas tarder à faire effet. Et puis voilà. Et puis j'ai même pensé à récupérer la ficelle pour le papillon. Oui, ça sera très joli. Donc, je vais m'arranger ça aussi. Donc voilà. Donc je vais mettre un coup de. Coupe ongle. Oh. Ah ouais, non, mais je suis à côté de la plaque. Je suis tellement fatiguée. Bah, j'ai très peu dormi encore. Hein. J'ai dormi sur le matin et de 5h à 8h, moins je sais pas quoi. Je me suis réveillée en sursaut parce que normalement je devais aller en course ce matin. À 11h.
Ah bah, j'ai téléphoné à ma mère, je lui ai dit c'est pas possible, je peux pas. Non, je me suis fait mal à minuit. Je me suis déglingué la cuisse. Si, le muscle il a douillé. Je sais pas comment je m'y suis prise. Mais enfin bon, ça fait que le muscle de la cuisse. Il y a un problème. Il y a un problème. Soit il me fait comme l'autre me l'a fait. Il s'est déplacé. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien. Rien qu'à la palpation. Enfin, on verra demain. Si je peux plus poser le pied, c'est que j'avais raison. Non, je me suis déjà déplacé le muscle de la cuisse de la jambe gauche. Donc je peux vous dire que. Et puis après, quand ils le remettent. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Mais si je me retrouve avec les béquilles. Non, ça va, j'en ai. Ben, c'est que le muscle sera déplacé. Ah, je sais quel effet ça fait donc. Ah oui, le muscle de la cuisse qui est déplacé, vous avez le pied qui tourne tout seul. Donc vous ne pouvez plus contrôler la jambe. Donc voilà. C'est pas pour me plaindre, hein, mais voilà, ça m'est arrivé. Ils me l'ont remis. Ah ouais. Ah ouais, j'ai crié. Ah oui, j'ai crié. Et pourtant, je suis pas douillette. Bon. Bah, vous savez quoi? Quand je vais refaire le petit lit là, que je m'aurai installé un petit peu les trucs, bah je vais filmer parce que soit je le fais dans la soirée, soit je coupe et je fais demain. Mais de toute façon, il faut que je coupe là. L'ongle est pas terrible, hein. Alors mon chien qui a fait du cinéma parce que mon fils était là. Sacré chien. Ah, mon fils, il l'a même promené. Et après, il continue son cinéma. Non, il voulait être avec nous, mais on ne pouvait pas l'avoir dans les pattes. Ben non. Avec le boulot qu'on a fait, et bon, il ne reste plus grand-chose. Moi, bon, il me reste à tout installer. Et installer comme comme j'aurais besoin de le faire. Et là, je suis en train de me demander si je vais pas mettre le tapis rose, le tapis de découpe rose, pour me faciliter la tâche. J'ai retrouvé le deuxième tapis vert. Donc il y en a deux, je peux les réunir. Mais j'attends qu'ils se remettent comme il faut. Je mets du scotch de l'autre côté, ça me fait un grand tapis. Soit comme ça, soit comme ça. Je sais pas.
crois que je préfère comme ça, là, les deux ensemble. Et à ce moment-là, je vais mettre dans le même sens et les numéros vers moi. Pardon, je viens de boire un café. Désolée. Donc voilà, il me reste ça à faire. Et puis le tapis qui ne veut pas se remettre. Il faudrait que je mette en dessous un gros truc. Mais j'ai trouvé le classeur. Normalement, ça devrait l'aplatir. Et voyez, j'ai même teinté mes papiers, hein. Ça, c'est mon arme secrète pour teinter les papiers. Si. Mon fils, il me fait et ça. Non, tu gites pas. Après, je lui ai expliqué pourquoi. Il m'a fait, ah bon. Teinter les papiers au café ou alors au bleu aussi. En bleu, ouais, j'en ai fait en bleu. Mais j'ai quand même mal à la cuisse et ça me fait penser que soit il y a eu torsion du muscle. Je vais me mettre de l'arnica après. Oui, là je suis en short donc je peux m'en mettre facilement. Mais alors on n'a pas eu froid. Hein. Ouh. Oh le bazar. Puis après il m'a descendu les poubelles parce qu'on a trié en même temps. Bah oui, on fait pas les choses à moitié. Il m'a tout trié, moi je le guidais, je l'aidais, je faisais une pause, il continuait, lui il a fait deux pauses. Franchement, Gaëtan, chapeau. Ouais. Je vais m'installer sur la chaise de l'autre côté. Bon, il n'y a pas d'accoudoir, mais ça me gêne qu'il n'y ait pas d'accoudoir, donc je la laisserai pour les personnes. Mais bien, bien, c'est tout moelleux, tout. Ouais, bien, mieux que celui-là, l'assise. Enfin, là, moi, je devrais. Rebomber les coussins. À force d'être assise dessus, ça les a bien aplatis. Et voilà, on ouvre, il y a des mouches qui rentrent. Il n'y avait pas de mouches. Regardez pas, je suis coiffée comme l'as de pique. Ah oui, non, mais j'ai pas le temps. Ah non, 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 entre être un zombie ce matin au réveil. Quelle heure il est? J'ai cru apercevoir 8 h et quelques, donc c'est pour ça que je me suis levée en sursaut. Non, non, en fait, il était 7 h et quelques. J'ai dit, bon, ça va. Mais après, j'ai senti la cuisse. Je dis, oh non, là, c'est pas bon. Donc j'ai essayé de mettre de l'ibuphétome, 5%. Ça fait pas grand-chose. J'en ai mis 3 fois. Donc là, je vais essayer avec l'Armigel. Mais
Le vol plané que j'ai fait cette nuit à minuit. Je me suis retenue à la poignée de la porte, la poignée qui me glisse de la main. J'ai failli me casser la figure. Je me suis rattrapée, je ne sais pas comment. C'est pas marrant. Donc voilà. Ah tiens, les papiers que j'ai gardés, enfin les sachets que j'ai gardés, ça va me servir. Oui, j'ai des choses en tête. Ah oui, parce que moi, je vais faire les choses bien quand même. Je vais acheter de quoi faire de la citronnade, parce qu'on va avoir chaud, hein. On arrive dans on est ouais, ça va faire mi-juillet. Oui, faut quelque chose pour qu'on se rafraîchisse, hein. Ça oui. Donc, que je pense à acheter des bouteilles d'eau. Ça, c'est, je l'ai en tête depuis au moins 3-4 jours. Bouteille d'eau, bouteille d'eau, bouteille d'eau. Et puis voilà quoi. Donc, prochainement, Nail Art Room Tour. Ouais. Et là, vous allez comprendre. Vous allez dire, mais non, mais elle a tout ça comme vernis. Non, mais c'est une mine à vernis ici. Quand ça sera rangé comme je le veux. Mais j'ai encore des trucs en tête. Eh ben, ça sera bien. Ouais, je crois que je vais pas tarder à ranger. Enfin, compte. Je suis tellement dedans maintenant que c'est presque prêt que bah, je vais m'organiser un petit peu. Alors, je lui ai fait vider mon meuble à tiroir là en plastique à roulettes, vous savez, les fameux tiroirs sur un montant noir, hein. Les tiroirs transparents. Oui, j'en ai qu'un et j'y tiens. Alors, je sais pas si je vais pas le mettre dans la strap. Pour l'instant. Il n'y a pas la place. Il n'y a plus la place. C'est après avoir rangé la pièce de nail art, il faut vraiment, vraiment que je range la scrap room. Parce que là, c'est. Je ne montre même pas. Je me filme, ok. Mais alors, c'est pas la peine que je vous montre, hein, parce que
Il y a un tas là. Mais c'est un tas. Voilà. Tout ce qui était encore dans l'autre pièce se retrouve là. Alors que bah, je savais où étaient rangées les choses. Maintenant, oui, faut encore que je trie tout. Ça, c'est sûr, j'ai pas beaucoup fumé. J'ai fumé 2 cigarettes. Bon, j'ai pas avancé dans le DP parce que bah je suis vraiment gênée avec la cuisse là. Soit une veine a pété, soit le muscle s'est déplacé. Je sais pas, il y a un problème. Un problème. Il y aurait un bleu si une veine aurait pété. Enfin bon. Voilà, on voit bien les cicatrices de croissance. Oui, j'ai grandi trop vite. Du moins, mes jambes ont grandi trop vite. Du coup, j'ai 3 cicatrices de chaque côté à l'intérieur. Bah, comme des vergetures, quoi. Bah, c'est des vergetures même. Bon, bah voilà. Il n'y a plus qu'à poster cette vidéo. Je vais éteindre la lumière parce que sinon après j'en ai pas besoin. Il fait bon. Il fait beau. Ouais. Bien salueux. C'était ouvert en courant d'air toute l'après-midi, même une bonne partie de la journée. Oui, j'aime pas quand je fume et c'est fermé. J'aime pas l'odeur après. Donc voilà. Désolé. Ah bah oui, bah. Sacré coup de collier. Bon, je vais vous laisser là parce que je vais prendre des nouvelles de mon fils, voir s'il est bien arrivé, vu qu'il est rentré à pied. Et ça fait quand même 2 km. Et comme il n'avait pas mangé, il m'a dit non, t'inquiète pas, je mangerai en rentrant. Donc. Et puis qu'il n'a pas voulu faire de pause avant de repartir. Ça m'inquiète un peu. Parce que je le connais le chemin. Là, c'était une montée qu'il avait à faire. Donc, voilà.
Bon, je vous laisse là, je vous dis à plus. Et voilà.